Merci, mon gars. Je suis fatigué au secours aujourd'hui. Cool, enchanté, Adam. Pourquoi tu as embrassé lui? C'est mon nouveau copain. Cool. Quoi? Tu as embrassé celle de moi, tu vas finir en brochette. Hop. Déjà, moi, je savais pas du tout que c'était votre sœur. Et en plus, c'est elle qui m'a embrassé, là. Ok, tradition de pays de moi, si toi embrasser elle, toi épouser elle. C'est comme ça. Non, mais attendez, là, on s'emballe tous un petit peu trop vite, je crois. Ou pas? Ah, c'est génial, mon gars, tu vas devenir le beau frère du secours, quoi. Eh, vas-y, remets-moi un kebab, s'il te plaît, sur la note du gendre. Pourquoi? Ce n'est pas possible, hein? Adam ne peut pas épouser votre sœur juste parce qu'elle l'a embrassée. Ici, les femmes sont libres. Moi, pas comprendre ça. Bon, ici, femme célibataire peut embrasser un homme sans être obligée de se marier avec lui après. Vous mentir, n'est-ce pas? Mais si, c'est vrai! Tiens, Malika, elle a embrassé plein d'hommes, c'est pas pour ça qu'elle se marie avec eux. C'est vrai, ça? Non, mais enfin, je roule pas des pelles à tous les mecs du quartier non plus, non? Mais même pas en rêve! Bon, excusez-moi, au secours. Je comprends, vous voulez respecter vos traditions, mais ici en France, ce n'est pas possible. Ici, on n'enferme pas les mariés dans des caves pendant une semaine, comme chez vous, au Topkistan. Vous, pas vouloir respecter caves, d'accord. Par contre, vous respectez la tradition que mariés mangent boyaux crus. Enfin, mais excusez-moi, mais on n'est pas au Moyen-Âge. Bon, et vous en avez combien, des traditions comme ça? 250. Nous avoir beaucoup de traditions comme ça, marier, avoir beaucoup bonheur et fertilité. Ah, moi, être très heureux que vous acceptez le mariage en tradition, belle maman. Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ma mère vous l'a déjà dit au secours. Je suis désolé, mais je vais pas me marier avec votre sœur. J'ai compris, toi, pas vouloir. Mais toi, pas avoir le choix, sinon toi, plus de travail du tout. Alors maintenant, toi, travailler deux fois plus, car toi, faire partie de famille de moi. D'accord. Alors dans ce cas, on est associés. Associés quoi? Associés. Ah, vous n'êtes peut-être pas au courant de cette vieille tradition française qui dit que lorsqu'une famille marie sa fille, elle doit verser une dot au marié. Dot? C'est quoi, dot? De l'argent, quoi. Mais au secours, pas d'argent, moi, pas avoir d'argent du tout, toi, ça va. Ah là là. Bah alors, dans ce cas-là, vous allez devoir me donner la moitié du kebab. Eh oui, faut respecter les vieilles traditions françaises. Dame, tradition, on s'en fout, tradition, c'est pour personne vieille, tradition. Moi, proposer, dis-la, toi. Tu vas pas épouser ma sœur et moi, garder le kebab. Comme vous voudrez. Après tout, c'est vous le patron, mais votre sœur va être très, très triste. M'en fous, ma sœur, Dami. Elle avait qu'à pas faire bisous à n'importe qui, elle. Allez, au boulot finesse maintenant. Nettoie tout, ça pue ici. Sinon, vous croyez qu'il y a moyen juste... on vit une petite histoire, elle et moi, vitef, sans mariage, sans rien, genre... Bah, attends, oh là, attention. Ah, Dami, toi, pas parler seul de moi, d'accord? Tu sais, tu peux m'embrasser si tu veux. Je préfère encore embrasser un kebab. Coquine,